Le syndicat des travailleurs et le patronat du pétrole, une rencontre à laquelle prenait part le ministre du pétrole axée sur le point d'étape et l'avancement des travaux de la commission dialogue social dans ce secteur. Aline Zila, Honorine Tigui pour le point. Afin de trouver des accords entre le syndicat des travailleurs et le patronat, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a échangé avec ces derniers pour trouver des pistes de solutions sur l'avancement des travaux de la commission dialogue social dans le secteur pétrolier. C'était pour lui faire un point d'étape sur les avancées, sur les points transversaux. Et donc nous avons fait le point. Il y a sur 4 points qui avaient été discutés. Il y a 3 points sur lesquels nous avons trouvé des accords. Et il y a 1 point sur lequel on a partiellement trouvé des accords. Et nous avons reçu des recommandations du chef de l'État, donc qui nous envoie à la commission pour nous accorder sur la nouvelle rédaction et les modalités de mise en place de ces accords. Une discorde entre ces deux groupes impliquant des représentants des employés et des entreprises qui a permis au général Brice Clotaire Oligui Nguema de trouver des pistes de solutions. Les points d'achoppement qui existaient encore entre l'ONEP et l'UPEGA sur la signature du procès-verbal des points transversaux, ce point d'achoppement a été levé et nous sommes sur la même longueur d'onde et le président Pluck, chef de l'État, nous a apporté ses recommandations qui viennent nous amener à nous accorder sur la question. Et donc, au sortir de cette rencontre avec le chef de l'État, nous allons donc nous retrouver pour signer ce procès verbal des points transversaux au secteur pétrolier entre l'ONEP et l'UPEGA et la Commission. Des orientations fermes ont été données par le chef de l'État qui seront mises en place par le syndicat de l'Organisation nationale des employés du pétrole, ONEP, et l'Union pétrolière gabonaise au cours d'une commission dans les prochains jours.